Yo les gars, c'est Nathan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de défi, le deuxième de My Hero Academia. Les vidéos, je les fais un petit peu à l'arrache parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, etc. Donc je vais vous montrer directement l'emplacement des 6 mannequins. On va faire la moitié ensemble. Donc le premier, il est juste là, donc dans l'eau, juste ici. Hop, on va directement se diriger au deuxième. Vous allez voir, je vous ai mis les plus faciles en priorité. Hop, le deuxième qui est là-bas. Donc là on va en faire 4 ensemble et les deux derniers ils sont beaucoup trop loin, donc vous pourrez aller les chercher dans une autre partie. Donc il y en a un qui est juste là, ok. Waouh, on est dans un mur. Attendez, je vous laisse faire pause de toute façon. Donc il y en a un juste là, bah, le petit étang, ok. Ouais mais oui, laissez-moi conduire. Attendez, hop. Donc dans l'étang qui est là, et le troisième ici. La Faulty Splits. En bas à droite de Faulty Splits, vous voyez, il y a une mare d'eau. Ben, elle est juste là, dans la mare à gauche. Enfin, autour du lac à gauche. Après, pourquoi je me retrouve dans les murs à chaque fois? Mon bateau, il est con. Et du coup, on en avait un là. Il y a celui de la citadelle qui est juste là. Et en fait, les deux que j'ai déjà pris, ben, ils sont un peu loin. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les faire dans une game. Et donc là, on va faire les quatre là ensemble. Hop, vous allez voir, ceux-là, ils sont pas vraiment loin. Hop, parcours bénéfique, let's go. Allez, 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 allez. Du coup, juste là. Ensuite, là, il faut qu'on aille par là. Je vous montre le chemin optimal, au moins. Donc, il était là, le quatrième. Hop, donc citadelle à droite. Ensuite, on continue par longer par là. Et on va se retrouver directement au plein milieu de Loot Lake. On va l'appeler comme ça. Hop. On continue, on continue. De toute façon, je vous laisse faire pause dans tous les cas. Carburant faible, ça tombe bien, super. Donc à Anvil Square, on le voit, voilà. Vraiment bien au milieu de la map, il est juste là. Hop. Et le dernier qui est juste là, entre guillemets, parce que 400 mètres en plus, c'est dans la neige. On va essayer d'y aller, même s'il y a la, zone. C'est parti. Hop, on va récupérer sur le chemin des petits sprays. Ah bah super, si je me fais buter avant. Voilà, après il y a toujours des ennemis un peu relous. On va aller derrière les arbres. On n'a même pas pu récupérer nos sprays, mais bon c'est pas grave. Il y a toujours un mec qui veut les kills. Il voit bien que j'ai pas d'armes et que je cours, mais non. Le mec, il s'en fout. Il va me rush en plus dans la zone, regardez. On l'entend. Il va me rush dans la zone, ce mec. On va manger un petit peu. Oh, il y a des mecs grave loin là-bas. Wesh, comment ça se fait? Il y a des trous de balles partout, là. Regarde, 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 regarde. Mais oui, c'était sûr les gars, c'était sûr. Je vous l'ai dit, il y a toujours des petits mecs comme ça. Des FDP, on va les appeler. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, au moins, je vous ai montré tous les spawns. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Allez, ciao.